position. Bacon off the pace. There is the Frenchman going for the Joker lap in the Lancia. You're right, Hal. It looks lower. It looks slicker. It looks smoother. And it's almost Marklund is in fourth position. But Chicharet has incredible pace here. I'm beaming. This is a brilliant game to start the event. With this sort of performance, Chicharet runs a little bit wide, gets Mervis here, Hansen gets inside of the Dell, so that's the Nunes rubbed off it already on his very first race weekend. But Hansen can't find a way through. Chicharet is so on top of his car, look at it moving around, big aggressive inputs, lots of rotation, but we're all aghast by getting Chicharet. Look at Kevin Hansen going up the inside there. Oh, and he's got him. It looks like he's put him into the wall. Le bilan de la matinée était plutôt bon, on va dire 90% positif jusqu'à l'accident, parce que voilà, ça c'est toujours jamais bien de finir par un accident, mais globalement, premier tour de roue de la voiture, on a très peu de tests dans les jambes parce que la voiture a fini d'être montée juste avant la course, donc on ne savait pas trop quoi s'attendre en termes de performance, et en fait on s'est rendu compte que la voiture était plutôt dans le coup assez rapidement. Il manque encore quelques petites choses qu'il faut qu'on aille chercher, mais il y a un peu de confiance, moi, dans la voiture. Il y a la voiture aussi, un petit peu de réglage. Elle a 20 tours de circuit, la voiture. Donc, voir le niveau de perfo qu'on avait avec si peu d'expérience et si peu de retour, sachant que les autres ont fait toute la saison, que nous, on arrive comme ça, un peu à fleur au fusil sur la dernière course, c'est pas simple. Mais bon, c'est ça qui était intéressant, c'était un beau challenge. Dans la voiture, je me sens, je dirais, globalement très bien. La voiture, elle a un équilibre assez intéressant. Le truc qui est un petit peu déstabilisant, mais qui est un peu pareil pour tout le monde, c'est que du coup, c'est pas vraiment le point arrière et le point avant. Vu que c'est un moteur avant, un moteur arrière, c'est plus connecté. Donc ça crée des perturbations entre l'avant et l'arrière sur la voiture. Donc alors qu'une voiture 4x4, normalement, c'est, pour être clair, c'est connecté par un pont central. Et donc du coup, quand ça tourne à l'avant, ça tourne à l'arrière. Là, c'est pas forcément le cas. Donc en termes de pilotage, ça demande un petit peu d'adaptation. Et donc sur les premiers tours de roue, j'étais un petit peu perturbé, un peu déstabilisé parce que ça se conduit vraiment différemment. Mais bon, je commence à m'adapter, ça commence à être bien. Et dans le premier hit, là, on avait plutôt une bonne vitesse. Voilà, on va essayer de repartir demain pour faire de nouveau de kilomètres et apprendre un maximum pour arriver l'année prochaine en étant prêt avec une expérience de course avant la saison. Delta. Chicharet is in third position, maybe even pushing Clara out for second. And it is Guerlain Chicharet that goes into second position. Timmy Hansen is out clear, taking full advantage of pole position. And then Chicharet's quick in the final sector. The Lancia looks very, very good. Oh, he's clobbered that curve. Ben voilà, on est à la fin du week-end, on a réussi à finir ce week-end sur des bonnes notes. On a fait un week-end d'apprentissage plutôt très positif, avec beaucoup de choses qu'on a appris et qu'on a appréhendé tout au long du week-end. Même si le week-end ne se finit pas comme on voudrait, en demi-finale la vitesse était vraiment bonne. On part deuxième et on a vraiment une très très bonne vitesse. Au niveau de la performance pure, on est pas mal. Au niveau de la fiabilité de la voiture, c'était aussi une bonne chose. Donc on va apprendre de ce week-end, on va faire une analyse et on va se projeter pour l'année prochaine pour améliorer tous les points qu'on a pu voir ce week-end.